Dans le quartier de l'Opéra, Tom commence son service en réunissant sa petite troupe. Voilà, ça va, Alex. La plupart, des anciens légionnaires, originaires de l'Europe de l'Est comme lui. Ils seront quatre, ce soir, à tenter de rassurer les commerçants dans le quartier. Ce qu'on va faire, on va faire le tour. On va faire tous les trois. Reste avec le stop, s'il te plaît. Son champ d'action, un labyrinthe d'une dizaine de ruelles. Il commence par faire la tournée de ses clients, avec qui il sera en relation permanente par Tokiwoki. Ouais, bonsoir, ça va? Tu me fais un coucou à radio, s'il te plaît? Des commerçants qui consacrent désormais une partie de leurs recettes à cette patrouille d'autodéfense. Je prie un service d'ordre pour la sécurité, pour que les gens viennent chez nous, que nos clients puissent venir sur l'opéra, venir boire un verre tranquille. Ce qui n'est pas facile en ce moment. La priorité est que personne ne vienne là, pas d'accoutrement et que les clients... Mais viendront pas là. Il est minuit, le quartier commence à s'agiter. Tom vient d'apercevoir une bagarre. Nous le suivons en caméra cachée. Un client très imbibé sème la zizanie devant ce restaurant. Le patron tente de le maîtriser. Et pour que la situation ne dégénère, Sergueï, un collègue de Tom, de dos en noir, va l'asperger de gaz lacrymogène. Fais le mieux comme ça, voilà. Comme ça, moi, c'est calme, là. Pour Tom et ses hommes, il faut ramener le calme le plus rapidement possible, quitte à prendre quelques coups. Moi, j'ai pris un gros coup sur la jambe. On m'a ouvert comme ça avec la bouteille, dans une bagarre. Ça fait mal. Le coup de chaise, le coup de pied de biche, les chaînes, les bouteilles. Surtout les bouteilles, le coup par arrière. Il vient par derrière. On est en train de se battre en plusieurs, il vient par derrière pour donner le coup de bouteille sur la tête. C'est pour ça, en préférence, s'il y a de gros soucis, il vaut mieux utiliser le gaz lacrymogène. Au moins, ça permet de les faire éloigner déjà. Va te faire enculer! Bouge pas! Finalement, l'homme est pris en charge par des policiers en civil. Mais pas le temps de souffler pour Tom et ses hommes. Ils viennent de surprendre un individu qui s'intéresse d'un peu trop près au sac des clients de cette terrasse. Bouge pas là. Reste là. Appelle-le. Il a le couteau. Je ne veux pas piéger, c'est tout. Et là ou pas? J'ai pas de couteau. Je ne marche pas avec le couteau. Qu'est-ce qui t'a pris dans le sac? Non, il m'a rien pris. Tom s'assure que l'homme n'a aucune arme sur lui avant de l'expulser du quartier. Non, il faut que tu bouges. Vas-y, collègue, tu bouges pas. Je bouge, je reviendrai. Chaque nuit, ce sont les mêmes menaces. Des voyous qui guettent les passants pour les détrousser, surtout quand ils viennent retirer de l'argent aux distributeurs. On a quatre guichets. Donc on a un guichet à gauche, deux distributeurs automatiques à droite de la poste, et il y a un quatrième là-bas en face. Donc le jeune, il profite le maximum de ce place. Il se met de l'autre côté autour de bar, ici, et un peu dans la rue. À partir de 4 ou 5 heures du matin, dès que le client, complètement défoncé, quitte le quartier, les gens sont totalement bourrés, ils ne se tiennent pas debout. Dès qu'il quitte le quartier, où il essaie de retirer l'argent, les voleurs sont un peu partout, ils vont sur eux, ils vont voler leurs chaînes, leurs portefeuilles. La totale. Alors Tom et les commerçants ont mis au point une procédure. Escorter chaque client lorsqu'il va retirer de l'argent. Ce soir, c'est Sergueï qui accompagne trois jeunes fêtards jusqu'au distributeur. Il vaut mieux que vous fassiez accompagner, parce que ça ne sert à rien de se faire agresser, il y a beaucoup de vols. Ouais, sinon je ne serais pas accompagné. Beaucoup de vols, surtout à cette heure-ci. Mais c'est la première fois qu'on nous le fait quand même. Soyez heureuse. Ah oui, on est heureuse. Ça arrive à droite, non? Non, à droite, ça ne marche pas. Avec ses 2,05 m, Sergueï va dissuader les voleurs de s'approcher. Un service de garde du corps particulier qui rassure les clients. Vous vous sentez plus en sécurité? Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Sans, on se sentirait moins bien, c'est clair. Ah ouais, ça craint, oui. Mais le pigeon idéal pour les voleurs, c'est un touriste comme celui-ci en polo rouge, totalement ivre. Un collègue de Tom ne le lâche pas d'une semelle.
Ça, je peux passer par ici, par l'autre côté, il y a tous les voleurs et tout qui regardent. Là, ici, c'est plus cool. Putain, tout ce qui pisse, on voit qu'il a du picoler, ça. Hein. Il va raccompagner ce fêtard éméché jusqu'à sa voiture. C'est la première, là, vous voyez ? C'est celle-là, là. C'est bon ? Allez, bonne fin de soirée. Mais remettre un peu d'ordre dans ce quartier agité commence à gêner les petits dealers et les trafiquants en tout genre. Tom est fréquemment menacé. On gêne leur business. Non, on gêne vraiment leur business. Récemment, ce restaurant qui leur sert de QG a même essuyé des tirs d'armes à feu. On était obligé de tout blinder parce qu'on se fait tirer dessus déjà plusieurs fois. Plus exactement deux fois depuis que je suis là. Une fois, j'étais juste derrière la porte. On a reçu deux balles. Une balle sur la porte, qui est là. C'est une 9 mm. La deuxième balle, ça a touché le vitre blindé à ce niveau-là. Ça a été stoppé là. La balle n'a pas rentré. Quelques mois après, on se fait tirer dessus une deuxième fois. C'était une petite calibre, 7,65, si je rappelle bien. La balle rentrée à ce niveau, quelque part là. Mais après les trafiquants, le gros problème de Tom et de ses hommes, ce sont les bandes de jeunes. Ils squattent tous les soirs la place de l'Opéra. Une façon de marquer leur territoire. Ils disputent à Tom le contrôle du quartier. Eux, c'est des truffes, c'est les matraques. Et après les autres, alors on les bombarde aussi. Si on est chez nous, c'est la zone. L'Ikipakata, c'est pareil. C'est nous ici, les dealers, comme on dit. Quand il y a des bagarres, on est là. Quand il faut se défendre, on se défend. S'il faut des armes, on est là. On a des Kalachnikov, des fusils à pompe ou des 9 mm, ça dépend. On te les montre. Mais sincèrement. On te les montre. Sincèrement, on peut te montrer des photos si tu veux, là. Sur leur téléphone portable, des photos d'armes de chasse. Bluff ou réalité, en tout cas, rien de rassurant. Ça, c'est des fusils de chasse pour les gens qui ne respectent pas, qui se manquent avec nous, et bien on les allume, tout simplement. Voilà. Tout simplement, on manque de respect à personne, mais quand il faut allumer des gens, on les allume. Face à eux, Tom ne se laisse pas démonter. Oui, j'ai ça. J'ai une petite bombe lacrymogène au canon. Ça peut toujours servir. C'est discret. Dès qu'ils ont plusieurs, parce qu'ils ne viennent jamais sur nous tout seuls. Ils n'ont pas assez courageuses. Ils sont tous de couilles molles. Ce soir, Alex, un employé de Tom, vient prendre la température. Alors, les gars, votre connerie ce soir ? Eh ouais, connerie, comme d'habitude, on est tranquille. Il n'y a personne qui rapproche mes clients que du distributeur. Les voleurs de carte bleue. Ça, c'est loupé, ça, ma gueule. Il faut parler les langages qu'ils parlent, eux. Autrement dit, il faut parler avec les mains. Parce que c'est le langage qu'on comprend et c'est universel. Et une fois qu'ils commencent à comprendre, ça va beaucoup plus facilement. Mais c'est malheureux, il faut commencer comme ça. Les jeunes les surnomment en rigolant les Ruskov de l'Opéra. Mais ils évitent tout de même de s'y frotter. Seulement Tom est toujours sur la corde raide. S'il peut faire régner l'ordre dans les bars de ses clients, il n'a pas complètement le droit de faire la loi dans la rue. D'autant que toutes ses interventions sont souvent délicates. Au cours d'une bagarre, Tom craint par-dessus tout de donner le coup de trop. Pour le Venise. 3 heures du matin, un client ivre commence à faire du grabuge dans un bar. Il est sorti de force par les collègues de Tom. Et là, tout se complique. L'homme se plaint d'une douleur au cou. C'est bien parce que j'ai des prothèses cervicales. Bah, il fait mal, les gars. Ah ouais ? C'est bien. J'ai juste appuyé, j'ai pas étranglé, j'ai juste appuyé. J'ai les cervicales. Non, qui m'a mis le doigt ici ? C'est moi qui t'ai appuyé, j'ai pas les cervicales. Ici, là. Et la situation empire. Les pompiers sont appelés sur place. Un individu fait un malaise. Tom et ses collègues sont un peu embarrassés. Oh putain, c'est le mec que j'ai. Oui, mais le cinéma qui fait, c'est l'espace, hein. Incroyable. Ouais, mais dans la civière et tout, le mec. Tu sais quoi, je te jure, on aurait dû les filmer nous-mêmes. Celui qu'on a sorti tout à l'heure.
Alors ils vont voilà, il met dans la civière, il a mis il joue au malade alors qu'il a rien du tout quoi. Il est bourré, il a 3 grammes, mais voilà. C'est bien là toute la difficulté. Tom a droit à la légitime défense, mais pas question de faire justice lui-même dans les bars ou dans la rue.